Previously, in Warquesting. Nous allons continuer les campagnes de fief et d'après ce que j'ai vu, apparemment c'est une quête de campagne par semaine. Campagne du fief Perchoir de Sombre Flux. D'après nos rapports, des vaisseaux de guerre de la Horde de Fer accostent sur une petite île au sud de la vallée d'Ombre Lune. Ce griffon a pas l'air très bien, il doit être malade ou quoi, il est pas rapide. Hein. Faut savoir que apparemment, et ça je suis bien deg, entre Cataclysme et Mist of Pandaria, le vol bleu a été dissous par Kalegos lui-même. Et peut-être que ce serait un objectif pour moi, enfin peut-être que ce sera mon destin de reformer le vol draconique bleu. Il y a des gens qui ont remarqué, hop j'affiche la carte, et je sais pas si vous l'avez déjà remarqué aussi, mais on a la carte de Draenor là, mais ça, qu'est-ce que c'est ça? Il y a Rexxar, vous vous souvenez, on l'a vu en Gorgrond pendant le leveling. Rexxar vous regarde inspecter le gobelin mort. Ce qu'il veut que vous fassiez est assez évident. Tuer des chapardeurs et tout, d'accord. Arrêtez de tuer les Rylaks. Les Rylaks sont nos amis. Oula. Ok, il y a un gobelin qui s'est fait éjecter de la machine. Zog Zog. Tu t'es cru dans Cendrillon ou quoi? Ouais, la matriarche est ici. Oh là, on se calme, attendez un peu, il y a moyen de discuter. Nous avons accompli de grandes choses sur cette île aujourd'hui, Blackhaven. J'ai hâte de chasser à nouveau avec vous. J'ai repéré quelques quêtes à faire. Je pense parler au nom de tous en déclarant que vous êtes un des plus redoutables prédateurs de tout Gorgrond. C'est quoi ce petit machin là? Racine le vorace, tiens. Vous donnez les nopales au sanglier affamé qui les dévore sans en perdre une miette. Ma sœur et moi voyagions vers Oshindun pour honorer la mémoire de ma grand-mère quand nous avons heurté un rocher et perdu le contrôle de notre caravane. Tu veux que j'aille chercher un prêtre? On lui fait une résurrection. On est bon pour attendre la semaine prochaine. Hey, salut à tous les amis, c'est Lerastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du questing. Ça y est, c'est la nouvelle semaine Woyen, si on peut l'appeler comme ça. Et comme vous voyez, il y a le serviteur de Khadgar qui est en train de se balader dans mon fief avec une quête sur la tête. Donc ça veut dire que c'est lui qui donnera la prochaine campagne de fief. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Salutations Blackhaven, l'archimage Khadgar souhaite vous transmettre un message important. La trahison a été douloureuse pour les Draenei quand l'exarque Otar, l'un de leurs chefs, s'est révélé être aux ordres de la Légion. Dans les collines surplombant la vallée d'Ombre Lune, Otar, maintenant connu sous le nom de Sokretar, gagne de nouvelles recrues à sa cause. L'archimage Modera est en charge de cette opération d'infiltration, mais nous avons besoin de votre aide pour la mener à bien. Allez la voir, elle vous donnera tous les détails. Hop là. Ok, donc on va pouvoir avancer dans les campagnes de fief, les amis. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le pré-téléchargement de la 6.2. Donc ça veut dire qu'elle va pas tarder à sortir. Peut-être dans quelques semaines. Hein, ça doit se compter en semaines maintenant. On va aller donc à la cible de Sokretar. Donc ce qui veut dire que peut-être qu'on n'aura pas fini les missions de fief, on va dire normales, hein, celles de la 6.0 et de la 6.1. Mais bon, quand la 6.2 sortira, je ferai les quêtes de campagne de la 6.2, hein, pour vous montrer un peu le contenu que ça va apporter au niveau des quêtes, tout ça. Bon, bien sûr, entre temps, hein, je continuerai de vous montrer les campagnes de fief qu'on a loupées là, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'avais prévu de faire, tout finir avant la sortie de la 6.2, malheureusement, ce sera peut-être pas réalisable. Donc bon, en parlant de la 6.2, également, sur le PTR, on peut tester
le T18 et le bijou que va drop Archimonde dans le nouveau raid Citadelle des Flammes Infernales, je suis allé tester et je peux vous dire, je comprends pourquoi ils ont nerfé la démono. Je sais pas si on peut record des vidéos sur le PTR et les mettre sur YouTube, ça faudra que je me renseigne, mais si c'est possible et si vous le voulez, je vous montrerai les effets du T18 et du bijou d'Archimonde pour l'aspect des monos et vous verrez pourquoi. Franchement, je vous dis, quand j'ai testé ça, j'étais abasourdi, surpris, et même si ça fait chier tout ça, qu'il y a un nerf pour la démono, etc. Franchement, je comprends pourquoi, hein. Ça aurait été tellement fumé s'ils avaient laissé les choses telles qu'elles sont. Je crois qu'on se serait envolé au Kikimeter, hein, mais bon. Voilà quoi. Si je peux vous le montrer, je vous le montrerai, les amis. Et je pense que vous serez d'accord avec moi quand vous l'aurez vu. Bon, c'est sûr qu'après, je veux dire, on aura du bon DPS quand on aura les 4 pièces du T18 et le bijou d'Archimonde, ça c'est sûr. Après, avec le stuff actuel, je veux dire, pendant la progression des boss, pendant la citadelle des flammes infernales, c'est sûr, peut-être que notre DPS sera beaucoup affecté par le nerf, mais dès qu'on aura cet équipement, je peux vous dire, on va remonter. On va remonter grave. Surtout s'il change rien. Bon, donc, il y a l'archimage Modera ici. Bon, désolé. Il faudra que je revoie la configuration de mon équipement parce que le micro est devant l'écran du PC portable. Donc bon, on va dire que je ne vois pas le bas droit de l'écran. Donc si vous me voyez faire comme ça ou quoi, c'est normal. Un plaisir de vous Alors. Rencontrer. Salutations démoniste, Khadgar m'avait prévenu de votre arrivée. Un de mes hommes a déjà infiltré les rangs des Sargeraï, mais il a besoin de votre aide. Pour ne pas faire échouer sa couverture, vous devrez revêtir la tenue de nos ennemis. Tuez des Sargeraï pour obtenir une capuche, une robe et des mules, et créer votre déguisement. Après l'avoir enfilé, présentez-vous à la lieuse dame Zamaya en tant que nouveau disciple, puis dites à l'anachorète Landa que la pluie tombe sur Ombre Lune. Cette phrase secrète lui permettra de savoir que vous êtes de son côté. D'accord. Allez dans l'honneur. Nous n'avons pas vu venir la trahison de l'Exar Kotar. Comment un dirigeant Draenei peut-il tourner le dos à la lumière et rejoindre le camp de ceux qui ont persécuté son peuple? Ses nouveaux alliés lui ont donné un nom, une nouvelle identité, Sokretar. C'est un adversaire puissant et je redoute ce qu'il est capable de faire. Ouais. D'ailleurs, Sokretar, apparemment, ce sera l'un des boss de la citadelle des flammes infernales. Donc, on va voir ce qui va se passer là. Peut-être qu'on va l'affronter, tout ça. Alors, fais voir. Ouais, c'est tout dans la zone de la quête journalière Apogide. D'ailleurs, on a encore l'objectif pour la faire. Donc je pense que comme pour le perchoir de sombre flux, on mènera ce truc à bien. Alors, il y a des succubes, il y a des Draenei corrompus. Ah, mince, non, il faut pas que je rééquipe mon stuff normal, on va rester en stuff RP. Allez hop, c'est parti! des démons partout. Je suis de votre côté. Oula. Seigneur démon Sargeraï. Hein. Toi, t'es en forme de démon. Ah, on a eu la robe, d'accord. Est-ce que... Ouais, non. J'allais dire, est-ce que les diablotins dropent la robe? Est-ce que lui... Non, lui, non. Il droppe rien du tout. Hop. Allez. On va attaquer juste les Draenei corrompus. Ah, ça veut dire que quand on aura fait notre déguisement, normalement on sera allié entre guillemets avec eux, donc ils nous attaqueront plus, c'est pas mal. On pourra se déplacer tranquillement. Hop, les mules, et il manque que la capuche. On va voir toi si tu l'as. Hop là. Alors, Sparidam. Et très démoniaque.
Hop là, on a eu un trait démoniaque gratuit grâce à Matarek Gossa. Ah non, elle a pas voulu nous donner. Il y a des Shivara. Ah ben toi t'as une capuche. T'es un initié. Allez, donne-nous ce que t'as. Et voilà. Oh, j'y crois pas. D'accord. Bon, toi, le lieur, ça en gérerait. Ah non, j'avais plus à cœur de la fournaise. Hop là, voilà, je l'ai regagné. C'est parti. Voilà. Hop, on n'a pas aggro son copain. Non. Allez, faites pas les radins. Donnez-moi cette capuche. Allez, hop. Et voilà. C'est bon? Voilà, merci. Fous ta cagoule. Alors, hop, on va se créer le truc. Combiner la capuche. Ouais, voilà. Déguisement sans gérail. Vous vous déguisez en initié Sargeray, utilisable uniquement à la cime de secrétaire dans la vallée d'Ombre Lune. Ok, alors. Fais voir. Hop. Ah. Donc voilà. On a revêti le déguisement. Bon, on a toujours nos épaulières et le bâton. Ouais, vous avez enfilé un truc, ok. Bien, et maintenant il faut parler à la lieuse dame. La lieuse dame, où c'est qu'elle est? Elle a l'air d'être là-bas. Ah ouais, c'est bon, regardez, on est amis avec eux. Ah, ici, elle est là. Et quittez-toi. Ah, la Nakorette Landa, lieuse dame, ok. Coucou. Je vous écoute. Oula. C'est quoi ton arme et tout là? Ah d'accord, c'est celui-là mais en version verte. Seuls les plus forts survivent. Je voudrais rejoindre les Sargeray. Bienvenue initié, ceux qui souhaitent rejoindre notre ordre doivent faire leur preuve. Vous semblez... intéressant. D'accord. Vous avez des nouvelles? Nous Sargeray reprendrons ce qui nous appartient de droit. Vous apportez des nouvelles? Alors, salutations initiées, que puis-je faire pour vous? Alors, la pluie tombe sur Ombre Lune, Modera vous salue bien, l'Elec est l'animal le plus noble de la création. Bon, je sais pas ce que ça fait si on choisit un mauvais truc, je sais pas si par exemple ça enlève le déguisement et t'as plein de troupes qui viennent sur ma tronche. Donc bon, on va dire la bonne phrase, hein. La pluie tombe sur Ombre Lune. Ne reculez jamais. Je vois, je suis prêt pour l'orage. Salutations. Oui, initié. Tiens. Bienvenue mon ami, j'ai réussi à gagner un peu les faveurs des Sargeray, mais ils gardent toujours jalousement leurs secrets. Seuls les plus forts sont acceptés dans leur rang. La prêtresse de l'âme Zamaya est le chef des opérations ici. Pour atteindre notre but, vous devez d'abord gagner sa confiance. Nous survivrons. Ah, le mot de Secrétaire. Les Sargeray suivent aveuglément Secrétaire. D'après mes informations, c'est un chef convaincant et captivant. De nombreux initiés ne se séparent pas des livres qu'il a écrits. Vous devez lire ses ouvrages et me faire votre rapport. Si nous comprenions les motivations des Sargeray, nous pourrions peut-être les ébranler. J'en ai aperçu pour la première fois près du lac, sur une table à côté de la fontaine et dans la maison près des jardins. Lisez le destin des Eredar, le dessin d'unité et la promesse d'éternité. Mano Ikta. Ah ah ! On va pouvoir lire du lore. Pendant que vous continuez à faire semblant d'obéir aux ordres de Zamaya, nous allons opérer un sabotage sous le nez des Sargeray. Tout autour de ce village, vous trouverez des cristaux de grand gros rage. L'ennemi s'en sert pour amplifier son pouvoir. Détruisez ces cristaux, cela ralentira leurs opérations. Cela aussi passera. D'accord. Et ah, elle aussi elle donne un truc. Parlons. Oula. La farce de Maître Gobelin. Ah, initié, êtes-vous prêt pour votre première tâche? Les bois au sud sont remplis de pénibles Boguelins. Ces saletés criblent nos fermes, volent nos marchandises et s'en prennent aux recrues étourdies.
Ce sont des créatures aussi répugnantes qu'affreuses qu'il faut éradiquer. Zamaya vous jette un regard sceptique. Pour preuve de l'accomplissement de votre tâche, j'exigerai de voir leur lance. D'accord. Oh purée, j'y crois pas. Si vous perdez votre déguisement, tuez des Sargeraï pour obtenir une robe Sargeraï, une capuche et des mules. Oh, j'y crois pas. On va essayer de pas perdre le déguisement, donc. Un ancien tenace. Au nord-ouest, un ancien s'est installé dans une clairière. J'ai besoin de quelqu'un pour m'en débarrasser. Ce devrait être simple, même pour un initié comme vous. D'accord. Vous n'êtes pas seul. Alors, est-ce qu'on peut se transformer en Taregosa sans perdre le déguisement? Ouais, c'est bon. Mouahaha. Alors. On a des choses près du lac. Salut, vous inquiétez pas. Alors. Ah mince. C'est le dernier. C'est peut-être lui dans l'ordre. Attendez, il faut que je trouve. On reviendra lire la promesse d'éternité. Hein, ne vous inquiétez pas les amis. Je vais juste essayer de trouver les livres dans le bon ordre. Parce que peut-être que justement il y a un ordre. C'est quoi ça? Non. C'est... Attendez. Ah si, le destin des Eredar, c'est le premier. Alors. Hop. Il y a des milliers d'années, la Légion Ardente a offert à nos dirigeants un présent inestimable. Kil'jaeden et Archimonde comprirent la sagesse de leur offre, mais le prophète Velen la déclina. Ses fidèles et lui fuirent notre monde condamnés à être traqués par ceux dont ils avaient refusé l'amitié. Velen était un imbécile, et nous sommes les descendants de ces imbéciles qui ont dit non au paradis. C'en est fini, mes frères. Nous allons connaître un nouvel essor en prêtant allégeance aux démons. Ils nous donnent une nouvelle chance de partager avec eux toute leur puissance. Elle est là, notre véritable destinée. Nous allons marcher sur les traces de nos ancêtres Eredar et connaître le destin auquel nous étions promis. Ah. Donc là, ça parle à nouveau des chefs dirigeants des Eredar qui étaient... Kil'jaeden, Archimonde et Velen. Mais Velen a été très intelligente de refuser. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir l'autre livre par ici. Enfin, je crois. Ah ouais, le dessin de l'unité. Apparemment c'est là-dedans. Ouais. Alors. Nous autres, les Draenei, sommes la race élue. Nous sommes civilisés, cultivés et d'une intelligence supérieure. Il n'est pas de technologie qui puisse défier notre intellect ni de magie dont nos arcanistes ne parviennent à se rendre maîtres. Nous avions fondé en Argus une civilisation tout simplement remarquable. Les nôtres n'ont jamais été des esclaves ni des lâches refusant d'assumer leur véritable potentiel. Notre peuple a les moyens de conquérir jusqu'aux étoiles elles-mêmes. Unissons-nous, mes frères et sœurs, et saisissons notre chance à bras le corps. Ok, un appel aux armes, tout ça. Ah, ici, il y a les cristaux de gangrorage, mais est-ce que... Là, là, là. Ah, bon, ok. On détruit devant eux, mais ils font rien pour... Ils font rien pour nous arrêter, donc on va faire celui qui est ici. Hop! Vous inquiétez pas, tout est normal. Je suis en train d'ajuster ça. Non, ça c'est pour un haut fait. Je regarde s'il n'y a pas le portail pour la monture, mais non, il n'y est pas. Ou du moins, il n'est pas à cet emplacement-là. Vu qu'on est ici, on va aller faire l'ancien et les gobelins. L'ancien, il est juste ici. Voilà. Hop. Allez. Hop, Blazblue et Sparidam. Hop là, hop là.
Ah, mais ça aggro les gobelins. Non, les boguelins, pas les gobelins. Voilà. Ok, on a une lance en bois. Bah attendez, ici il y a des gobelins. Oh purée, je vais pas y arriver. Il y a des boguelins. De toute façon, vous allez me dire, ils sont aussi petits qu'eux, donc bon. C'est pas non plus. Hop et hop, voilà. Ok, on en a 3. Il nous en manque 4. Allez, donnez-moi vos lances, petit pygmée. Hop, et lui, voilà. Ok, une. Toi. Il nous en manque 3. T'as intérêt à avoir le bon nombre sur toi. Voilà, parfait. Il nous en manque 2, j'espère que vous avez les 2 restantes. Hop là. Voilà. Ah, j'y crois pas. Hop là. Ouais, non, ça devrait aller. Oula, lui il a repop. On va pas lui foncer dessus. Allez là. Un petit boglin perdu. Ouais, non, là, c'est toute une troupe. Là aussi, bon. Allez, c'est pas grave. Hop, on met du chaos. Ça va faire le ménage. Ah ben, j'y crois pas. Ils sont sérieux. Hop. Ok, on a fini ça. Il manque les cristaux. Et à lire le dernier livre. Alors, les cristaux, où c'est qu'il y a d'autres cristaux? Ah, ok, apparemment les cristaux sont juste disposés là-haut. Ah, un œil de Zamaya, oulala. Non, 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 t'inquiète pas, on travaille, on bosse. C'est sûr qu'il y a que des cristaux ici, là? C'est pas normal. Ah, purée. Trop de plantes avec la donne Gatherer. Ah ben tiens, voilà. Ici. Hop. On l'a pas cassé? Ah non, mince. J'ai mangé une poire. D'accord. Allez, tiens, voilà. Bon, là par contre, ça risque d'être un peu plus... Peut-être là, là? Là, pas là? En bas, juste en bas? Non... Ah là! Il se cachait dans une tente. Tiens. Il en manque 2. Est-ce qu'il y en a le bon compte ou alors... Ou alors est-ce qu'il faut attendre que ça repop? Ouais, là, je sais pas. Il n'y en a pas un autre à l'intérieur, non? Non, faut certainement chercher ailleurs. Non. Ouais, non, il doit y en avoir d'autres quelque part. Il faut juste que je cherche. Peut-être même à l'intérieur de ces maisons Draenei. Non, désolé. Ah ouais, justement. Ici, il y en a un. T'inquiète pas. Hop. Cassé juste devant ses yeux, mais c'est pas grave. Et donc il doit y en avoir un dernier là dedans. Ouais, c'est bien ça en fait. Il y en a le bon compte. Et voilà. La 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 la. Ok, il y aura un mob rare juste en haut.
pour quand on finira tout ça. Et le bouquin, ouais, voilà, c'est le bouquin. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est ça. Promesse d'éternité. Rien ne doit interrompre l'entreprise de la Légion. Certains en Draenor cherchent à contrecarrer ses plans. En tête de file se trouvent les infidèles, des Draenei qui vénèrent la lumière. Exterminez nos semblables et veillez à ce que rien n'entrave l'œuvre de nos maîtres. Nous devons triompher des Draenei afin de prouver notre loyauté à la Légion. Écrasez Shatrath et les démons nous offriront l'immortalité. Ah ah, Shatrath. Il me semblait qu'ils avaient prévu de faire une sorte de raid ou quoi pour qu'on reprenne Shatrath, mais en fait non, à part les quêtes journalières Apogée de là-bas, il n'y a pas grand-chose. Je vous écoute. Alors. Ces créatures abjectes ne méritent pas de vivre. Sommairement ornées d'épines et de brindilles, d'accord. Je n'en attendais pas moins d'un initié. Les esprits forts triomphent. Pas mal. Hop, et enfin ça. Approchez, dites-moi tout. Je vois, Secrétaire est fou, mais son raisonnement est logique. Pas étonnant qu'aucun des Draenei adhère à sa cause. Non, qu'autant de Draenei. Il me semble que j'ai dit aucun. Nous survivrons. Très bien, notre mission peut se poursuivre en toute discrétion. Oula. Le temps presse, Black Evan. Les Sargeraï ont ouvert un portail d'invocation sur la colline à l'ouest. Je crois qu'ils vont s'en servir pour faire venir une armée de démons dans la vallée d'Ombre-Lune. Nous devons les arrêter à tout prix. Utilisez cette bombe des arcanes pour détruire le portail. Nous allons peut-être nous faire repérer, mais le portail est désormais notre priorité. Manuel Ikta, mon ami. Il me semble qu'il y avait une quête à rendre ici. Enfin, par là, d'accord. Alors, sur la colline à l'ouest. La seule colline que je vois, c'est celle-là. Donc, on va voir si c'est ça. Ah ouais, ça a l'air d'être là. La la la. Bon, désolé les amis, je n'ai pas trouvé d'autre quête à part celle que je vous ai déjà montré l'emplacement. Donc je sais pas si je cherche pas assez bien ou quoi, mais bon, vu qu'on peut pas utiliser les montures volantes, en tout cas pour parcourir plus de terrain rapidement. C'est assez difficile, on va dire. Alors, il est là. Il faut le détruire comme ça. L'exarque Maladar. Cryptochenai, ouais. Alors. Donc Invocaz il est là et le portail il est là. Bon, je pense qu'il nous laissera peut-être pas détruire le portail comme ça. Ou alors on va... Ah ben non. Ah! Va-t'en, démon! Oula, mais des diablotins. Bon voilà, ça c'est fait. Ah ok, on a perdu le déguisement. Bah qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi il s'est effondré comme ça? Il est bête. Ah, donc voilà, il s'est reformé. Allez, hop. C'est bon, il n'a pas de butin ou quoi? Bon, on va pouvoir placer la bombe. Où est-ce qu'il faut la placer, là? Ah, au centre. Hop là. Oh. Ouh là là. Ah, d'accord. Je pensais pas que ça allait faire comme ça ou quoi. Bon, on avait fait le portail, donc. Ah, mince, là, par contre... Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut rendre à qui, ça? Apparemment, il faut rendre là-bas, mais bon. On n'est plus allié avec eux et je pense pas qu'on peut... Non, alors, apparemment, on peut pas reprendre les... On peut pas reprendre sur les mobs les trucs pour se faire un déguisement. Ah. Hop, on essaie. Oula. Non. Il y a du sang et tout. Parchemin de... Oh purée.
Nana Corette Landa a mystérieusement disparu. S'est-il passé quelque chose ici? Ouais, je pense. Fureur de Socretar. En ouvrant le parchemin, vous découvrez un message de Nana Corette Landa. J'écris cette note à la hâte, j'ai été découvert. On m'a amené devant Socretar. Vous devez terminer la mission. Je sais que la lilieuse dame Zamaya détient le plan détaillé de la prochaine attaque de Socretar. Elle vous fait encore confiance et vous devriez pouvoir entrer dans le bâtiment principal. S'il vous plaît, trouvez ces plans, Black Even. Affronter Socretar? Oh là là. Enfin, on... Ah, et on gagne un jouet, d'accord. Ah, porte d'Otar? Ah lol, on peut entrer là-dedans? Cool. Ah, ah. Oula. Image de Socretar. Protection du néant, ouais. Ah lol, il est là! Coucou! Voici donc le traître qui se plairait parmi nous. Rejoins-moi, mon frère. Vélène a eu tort de refuser les dons de la Légion Ardente. Imbécile, ton âme m'appartiendra même après ta mort. Chatrat, Oshindun, Elodor, Karabor, tous tomberont. Zamaya, achève-le. Avec joie, maître. Ah! Eh ben non, on est juste là à temps. Mais je crois que c'était Socretar qu'il fallait affronter. Sparidam! Hop là. Ok. Voilà. Ah, voilà les plans détaillés. Ces documents détaillent un plan de conquête des positions de Draenei en Draenor, à commencer par l'occupation de la ville de Chatrat. Ah, peut-être qu'après, justement, ça va permettre de... de débloquer la campagne de fief à Chatrat. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il n'y a rien. Ouais, non, ok, d'accord. Oh, dommage, je pensais qu'on allait mettre une raclée à Socretar. Peut-être que ce sera à Chatrat. Salutations. Alors, ne vous en faites pas pour moi. Nana Corette Landa est très pâle. Il ne survivra pas. Black Even, merci pour tout ce que vous avez fait. Ne reculez jamais. La voix de Nana Corette Landa est à peine audible. Vous devez retourner voir Khadgar. Socretar va attaquer Chatrat. Il continuera à s'entourer de disciples. Merci pour votre secours. Mon heure est venue. Laissez-moi, je souhaite reposer en paix. Non! Cela aussi passe. Meurs pas! Ben non, t'es vivant. Vous apportez des nouvelles? Les Sargeras ne sont pas des imbéciles. Pendant tout ce temps, ils avaient l'œil sur moi, mais je suis content d'apprendre que je n'ai pas travaillé en vain. Nous survivrons. D'accord, mais mec, t'as encore full PV là. Relève-toi. Oh là là. Alors, on a le jouet. Putain, voilà, les portes comme ça, elles peuvent s'ouvrir. Pourquoi les portes du temple de Karabor et de Chatrat, elles peuvent pas s'ouvrir comme ça? Hop là. Déguisement. Et donc on... Ah non, j'allais dire on peut partir. Non, on ne part pas. On essaie de finir vite la quête si possible. Allez hop. On va faire vite. Ah mais... Bon, on va faire venir les troupes du fief pour que ça aille plus vite. Allez les gars! Hop, Sparidam. Hop là. Putain, elle n'est pas morte celle-là! Ah ben voilà, les deux sont mortes en même temps. Au moins c'est fait. Encore une. Allez, attaquez mes troupes du fief. Ah ben non, ils viennent de se retirer. Bon, tourbilol. J'espère que le mob rare ne s'est pas fait buter par un mec qui était justement ici.
Au pire, on essaiera d'aggro plein de mobs. Normalement, ça devrait permettre de... Ça devrait permettre de choper assez de... Assez de trucs. Hop là, merci. Non, pas ça. Ça. Mais soit apparemment, le mob rare s'est fait buter. C'est pas bon, ça. Bon, venez tous ici, vous. Bon, après, vous allez me dire, pas besoin de buter que des mobs. On peut aussi cliquer sur des objets. Donc, je pense qu'on va faire ça juste après. On fait juste un peu le ménage. Oula, le familier prend cher, vite. Hop, Blue Sensor. Et hop là. Et voilà. Ah d'accord. Ouais, si, en fait, on pouvait récupérer les... les trucs sans gérer, d'accord. Les sorts et les attaques infligent des dégâts d'ombre. Ouais. Oula, j'ai failli tomber là. Sauf que j'ai pas besoin de ça, moi. Bon. Vu qu'on est là, qu'il y a les mobs, tout ça. Hop là, venez, venez, venez. Hop. Sparidam. Et c'est reparti. Feu, feu. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Et ça y est, presque. Voilà. Ok. Ok, on est à 50%, bien. 50%. Purée, ça irait plus vite si on avait un... Ah, peut-être que ces espèces de portails à détruire, peut-être que ça donne pas mal. On va voir. Hop, vas-y, fais un tour du lol. Hop. Alors, faites voir combien ça donne. On est à 54. On détruit ça. 59, ça donne 5%. C'est mieux que rien. On va aller faire celui qui est là-bas. Hop. Regardez notre forme de démon. Banzai. On fait venir eux aussi, hein, le menu fretin. Ça permettra de monter un peu plus vite. Allez, feu, 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 feu. Oula, oula, on prend quand même un peu cher. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, lui... Ah, il y a un rare, il y a un rare, il y a un rare. C'est bon. Normalement, en faisant ce rare-là, ce sera fini. Oh! Dame Tempête Tessa. Amène-toi! Non, où est-ce que tu vas? C'est moi qui t'attaque. Hop, allez hop. Blast Blue, Sparidam. Et ça aggro pas mal de monde. Troupe du fief, en avant! Ah, j'ai une archère qui s'est fait one shot. D'accord. Oula mince. Torun, tiens bon. Bon, d'accord. Blue Sanction. On va les calmer un peu. Oula là. On y prend cher. Oh, bon, d'accord. Vite. Toru Alpha, go. Non, tu vas me lâcher la grappe. Ah, purée, elle est insensible au stun.
Ah. Ouf. Ah, ah non, ça c'est pas bien ça. Allez, lâche-nous la grappe. Oh purée, elle a complètement l'aggro sur nous. C'est pas vrai. Ah non, c'est bon. Tourne à récupérer. Voilà. On a fini les amis. Ils vont tous... Non, ils vont vous écraser, d'accord. Vu qu'on est là, on ne sait jamais, on peut avoir de la chance ou pas. Je vais vite regarder les points de spawn de du portail. Votre cœur et votre esprit. Ah, merci Matarigosa. On va vite aller voir les endroits où il y a normalement le portail et voir s'il est là. Ce serait cool. Mais si c'est ça, il faudra que j'aille jouer au loto après. Hop. Donc, il n'est pas là. Ensuite... il n'est pas là. Mais apparemment, il a l'air de... À cet endroit, il a l'air de pop tout autour de... De la cime de Secretard. Enfin, tout autour. Voilà quoi, juste cette face là de la colline. Non, il a pas l'air d'être là non plus. On arrive à la fin. Cette grotte, je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment, bon, c'est un portail du vol bleu, hein, le skin, voilà. Mais bon, caverne des Flamerolles, mais je sais pas. Il y a une porte et tout. Une fois, j'y suis allé, c'était ouvert. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, à ce que c'est ou quoi. Ouais, non, il n'y a pas le portail. Allez, on va vite aller reprendre le fly, rentrer au fief, rendre la quête et voir si on a le temps de vite faire quelques autres quêtes. Et ensuite, on verra, on verra. Hop. Non, laissez-moi passer. Aïe. Raccourci. Ah purée, le fouet mental, non. Voilà. Non. Ah, ça suffit avec le fouet mental. Voilà. On va attendre que ça... Voilà, ça a arrêté de nous suivre. Elle n'a plus rien à nous dire, là, l'archimage. Voilà des années que je ne m'étais pas retrouvé sur le terrain. L'impressionnante archimage prend une profonde inspiration. Rien de tel que l'air frais et le parfum du danger. D'accord. Bonjour. Allez, on retourne à Chute Lune. Je check combien de temps il reste. On aurait peut-être le temps de faire au moins les quêtes qu'il y a au pavillon, enfin je sais plus comment il s'appelle l'endroit, mais je veux dire là où on avait vu les deux quêtes à la fin de la partie précédente. Et ça voudrait dire que si on finit ces deux quêtes, il en resterait une là sur la route vers Nagran. Et ensuite, ensuite, je pense qu'on ira faire un tour à Ashran. Mais bon, on sera peut-être dans la prochaine partie. On verra comment ça va se dérouler en tout cas. Hop là, je suis de retour. Où il est le familier là? Ah, il est là. Tiens. Je vois, les ambitions de Secretar incluent Chatrat et Oshindun, mais elles ne s'arrêtent pas là.
Merci pour ces informations, Black Evan. Je vais les transmettre immédiatement à l'archimage Khadgar. Hop! Donc on a fini ça. Oui, il reste encore pas mal, hein, quand même. Ouais, non. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres quêtes qui ont pop. Donc on va vite prendre le fly jusqu'au truc de Terrocar, là, le refuge de Terrocar. Voilà. Bon, même si c'est pas non plus super loin, on va économiser un peu du temps sur le trajet. À tout de suite. Allez hop, voilà, refuge de Terrocar. Visage de Taregosa. Et c'est parti vers les structures Draenei là-bas. Et on va voir ce qu'il nous demande de faire. Crépuscule agité. Alors déjà le gnome. On avait vu, on était allé voir le gnome en premier. Qu'est-ce qu'il nous veut? Un honneur, vraiment. Nom d'un gnome, le robot bonheur 8000 est tombé en panne avant même de me rapporter une seule truffe de Draenor. Il s'est mis à nager par ici et à court-circuiter son variateur d'énergie. Encore. Il est alimenté mais ça ne suffit pas à relancer le variateur. Pourriez-vous m'apporter des sacs des anguilles électriques que l'on trouve dans le lac? Ce serait parfait. Très bien. D'accord, donc il va falloir qu'on plonge. Et hop là! Alors, des anguilles fondent du lac. Hop, bon. On va se les faire en deux. Et pourquoi elles veulent pas donner leur sac? On va peut-être les buter en 2-2, mais c'est pas pour autant qu'on va réussir à choper leur sac. Ouais, non. Mais quand même, il m'a pas donné un couteau ou quoi, non? Hop. Ah. Peut-être qu'il faut qu'elle soit rechargée. Utilisée par les anguilles pour créer de puissants courants électriques pour se défendre et chasser. Ah, alors attendez. Attendez. On va les aggro, hein. Hop, je me rebuff. Je me remets élixir de taille de géant, il faut que j'en utilise. Ok, vas-y. Fais ton truc électrique. Voilà. Attends, ça dure combien? Ah, ben c'est bon. Allez, toi aussi. Toi aussi, fais-le. Voilà. Et là, maintenant, on peut les buter. Normalement. On va voir si ma théorie est exacte. Ah, ça a marché pour l'une d'elles. Après, on va voir si c'était pas un coup de chance ou quoi. On va en buter une qui a rien du tout. Non. On va faire ces deux-là. Et ensuite, je revérifierai ma théorie. Ah, ben, les deux avaient leur truc. Donc, je pense, ouais, voilà. On va essayer d'en choper une qui est toute seule et qui va vite crever. Voilà. Ah ben non, en fait ma théorie était nulle. C'était nul. C'est juste de la chance. Ah, je sais pas, on sait jamais, hein. Soit on veut essayer de la jouer RP, soit on le fait pas. Hop là. D'accord, et un dernier sac et c'est bon. Non, toi tu veux pas. Toi, t'es la dernière dans les parages. Enfin, il y en a une là-bas, mais bon. Ce serait bien que tu nous donnes ton sac. Le sac! Oh purée. Il t'a donné un sac ou il t'a pas donné le sac, le monsieur? Référence. Hop. Ouais, c'est bon, voilà. Bon, on est sur l'eau, donc on va faire apparaître le trotteur, parce que Taregosa ne peut pas marcher sur l'eau.
C'est pas non plus Jésus. Allez, tiens, c'est bon, il va remarcher avec ça, le robot 8000, je sais pas quoi. Ah, ok, c'est celui-là, le robot bonheur. Avez-vous les sacs d'anguilles? Ils ont l'air parfaits, non d'un boulon, ça a intérêt à marcher. Maintenant, rentrons ça là-dedans. À une autre fois. Ah. Très bien, robot bonheur 8000 exécute la commande X47G5. Commande inconnue, en attente d'ordre du propriétaire du robot bonheur 8000, Black Even. Ça suffit, j'en ai ma claque. Black Even, vous pouvez le garder, je retourne à la construction de char une bonne fois pour toutes. D'accord. Bon, ok. Ah, d'accord, il a une quête. Ah, bah tiens. Nouveau propriétaire du robot soldat 8000, Black Even. Directive actuelle, masser les ennemis de Black Even jusqu'à la mort. Masser les ennemis? What? Ah d'accord, c'est un... Oula! Oula, on l'a eu en version épique directe. C'est un sujet, d'accord. Bon, ben, t'es, ça c'est fait. Et enfin, toi, Viteuf, tac tac, c'est ici. Chaque jour est une bénédiction. Ah ok, elle a deux quêtes, alors attendez. Ouais, non, ça va le faire. Poussière des morts. Je me disais qu'en l'amenant ici, je pourrais peut-être l'absoudre de ses péchés envers la lumière. J'espérais sauver mon fils. Maintenant, mon cher Arumel n'est plus qu'une illusion distordue de lui-même. Il ne me reste pas d'autre choix que de corriger mes erreurs, et j'ai besoin de vous. Apportez-moi de la poussière de crépuscule des phalènes de l'île de Sombre Soir. Avec votre aide, je pourrai fabriquer un élixir qui nous permettra de nous rendre dans le royaume des morts pour enterrer définitivement Arumel. Oulala. Soyez aimable avec les infortunés. Ça a l'air dangereux. Le remède d'Arunem. J'ai besoin de votre aide pour créer un élixir qui nous permettra de nous rendre dans le royaume des morts. Ah d'accord, bah c'est avec l'élixir, ok. Pour le fabriquer, il me faut certains échantillons de la flore locale. Vous trouverez des baies d'Arunem un peu partout sur l'île. Apportez-moi autant que vous pourrez. Mais attention, Black Even, ne les mangez pas crus. Le poison que contiennent ces baies vous tuerait en quelques minutes. Oula, récupérez 60 baies. Dionys Aka. Ouais, on va voir ça. Ah, il y a plein de petits papillons. Enfin, on dirait plutôt des grosses mythes. Hop. Ok, on a deux poussières. Ah ouais, ok, les buissons de baies sont juste ici. Hop. Encore deux. Une crépuscule agitée. Ben alors, fais voir ce que ça donne. Ah, ça va, ça en donne par plusieurs packs, donc on sera pas à essayer de choper sur chaque buisson. En même temps, là, il faut bien que ce soit RP, hein, il n'y a pas qu'une seule baie dans un buisson, hein, je suis désolé. Hein. Si jamais vous voyez ça, c'est que vous êtes malchanceux. Alors attendez, ça fait quoi? La fine poudre tombée des ailes de la créature scintille dans vos mains. Et les baies, la peau d'un rouge éclatant de ces baies est légèrement collante. D'accord? Vu que je suis arboriste, je vois l'emplacement des buissons. Hop! D'accord! Allez. Oh, un crépuscule ici. Normalement, il ne manque que deux poussières. Ah ben non. Oh ben toi alors. Voilà, c'est bon. Et là, normalement, on devrait avoir assez... Ouais non. Il nous faut encore quelques buissons. Hop là. Non, plus que 4. Attends, on va aller chercher sur le buisson qui est là-bas. Ah non, c'est une... Bon, on va prendre l'orchidée, hein. On va pas cracher dessus. Voilà, toi.
Ah, et lui nous en donne beaucoup, d'accord. Hop là. Arcanon Poros. Avez-vous assez de poussière? Ouais. Merci Black Even, avec cette poussière et les baies d'Arunem, je vais pouvoir concocter le breuvage des morts. Ma bénédiction sur votre famille. Avez-vous récupéré assez de baies d'Arunem? Oui, ça aussi. Heureusement que vous n'avez pas mangé de baies, je sais ce que... Je ne sais pas ce que je ferai si vous veniez à mourir. Bon, ça devrait aller, oula. C'est mon travail de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Je conserve les souvenirs et je les lis pour les autres. Mais je n'en suis plus capable à cause de mon fils. Mon fils qui a tourné le dos à la lumière. À sa mort, je n'ai pas pu supporter l'idée qu'il n'accéderait pas à Oshindun. J'ai décidé d'intervenir et de le piéger ici. À présent, il corrompt et torture les souvenirs jusqu'à ce qu'ils deviennent illisibles. Vous devez faire ce dont j'ai été incapable. Utilisez cet élixir et entrez dans le royaume des esprits. Et détruisez l'esprit de mon fils. Ah, cherchez la voie de la lumière. Bien que je ne puisse concevoir d'assister à la perte de mon unique enfant, je ne peux décemment pas vous envoyer seul dans le monde des esprits. Mon esprit va vous accompagner. Revenez me voir quand ce sera terminé. Ah, j'allais justement te dire... T'avais pas dit que nous y allions? Que la lumière vous baigne. Hop, il faut boire le truc. Oula! Ah! Ah ouais, on est dans le monde des esprits, sauf qu'il y a pas mal d'âmes égarées. Oula, attendez. Ok, il est tout là-bas. Il va falloir passer à côté de tous ces monstres du vide. La la la. Eh ben, elle est allée l'enterrer loin. Ouh, il est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oula, est-ce qu'il est en train de créer un portail? On dirait bien. Non! Si je dois finir oublié de tous, vous subirez le même sort! Non, tout le monde vous oubliera comme j'ai été oublié! Je reviendrai. Ah ah! Tiens donc. Arumel, ça me dit rien comme nom de boss, ça. Donc je vois pas comment tu peux revenir. Allez hop, vite on retourne. Qu'est-ce que fait cette musique des terres de l'angoisse ici? Allez hop. Tiens, c'est bon. Ah ben. Il vaut mieux laisser certains souvenirs s'effacer. Je vous remercie Black Even, je vais vous ramener dans notre monde. Ne perdez pas la foi. Oh, on l'a eu en mode épique, d'accord. Merci. Et apparemment, c'est tout ce qu'il y a ici. Bien, bien. Ouais. On va vite rentrer. On va aller prendre le fly au refuge de Terrocar. Et on fera l'outro dans le fief, comme d'hab. Allez, hop, c'est là-bas. Et donc, ce qui nous reste à faire, ben justement, c'est les campagnes de fief. Donc ça veut dire qu'il faudra attendre la semaine prochaine pour pouvoir faire. Il reste une quête en Talador, là, et il reste Ashran. Ouais. Il reste pas des masses à faire, hein. Si jamais il reste que à... Que les campagnes de fief, ça va un peu réduire le contenu des vidéos. Ouais, peut-être que j'essaie de trouver autre chose à faire. On verra, on verra. De toute façon, je suis toujours à la recherche de quêtes perdues un peu partout sur Draenor, donc bon, peut-être que j'en trouverai une ou pas. On verra tout ça. Mais pour l'instant... Ça commence à s'amenuiser. De toute façon, quand on aura complètement fini le questing, je reprendrai à mes visites des anciens donjons et raids. Et peut-être que je ferai venir des gens.
Ça pourrait être bien, et puis si jamais une île de la transmo, ce sera encore pas plus mal. ABV, robot bonheur. Commandant, il semble que vos vêtements soient sales. Laissez-moi les laver pour vous. Mais je crois que t'étais un robot soldat, qu'est-ce que tu nous racontes? Bon. Ah, et d'ailleurs, j'ai remarqué, mais Racine est bienvenue dans le fief. Bon, là, je sais pas où est-ce qu'il est en train de courir ou quoi. Je sais pas du tout, je l'avais croisé par ici. Bon, ça va être un peu dur de le voir là maintenant, mais bon. Ah si, il est là, Racine, il est là. Hop, ici. Et si jamais on le caresse, eh ben il nous suit de partout. Ah purée, non, il reste encore une quête qu'on fera dans la prochaine partie. C'est aller à Forgefer et récupérer ces rouleaux de musique ou je sais pas quoi là, ouais. Bon, on a encore des choses à faire les amis, donc bon. Ce n'est pas encore la fin. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à la page Facebook et au compte Twitter pour suivre l'actualité, tous les posts que je mets pour plus de contenu. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao. Pour moi, c'est enfoiré. Voilà, attends. C'est quoi? Non, c'est moi. Non, c'est pas moi. J'ai réapparition dans 5 secondes. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de pourchasser quelqu'un. Aïe, aïe. T'as fait un feu, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah.